Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues, et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une application que je viens de découvrir, que je partage avec vous, qui est juste exceptionnelle. Elle va vous permettre d'améliorer votre compréhension, votre expression orale, elle va vous aider à débloquer votre mâchoire et surtout à améliorer votre prononciation. C'est l'objet numéro 1 de cette application, et je vous dis ça juste après le jingle. Si vous n'avez pas téléchargé votre kit de démarrage 7 jours, eh bien je vous invite à le faire tout de suite. Le lien est dans la description et ou juste ici. Ça vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de l'anglais ou de n'importe quelle autre langue. Déjà, merci à Jessica, qui est une élève du Marathon des Langues, que je remercie d'avoir partagé. Parce que au sein de du Marathon des Langues, ce qu'on aime, eh bien c'est créer des communautés, pousser nos élèves à être ensemble, à partager les ressources. Et effectivement, ça va tellement vite, il y a tellement de nouvelles choses tout le temps plus on est de cerveau et plus on découvre de nouvelles choses et plus ça crée de la magie. C'est vraiment ce qu'on fait au sein du marathon anglais, c'est qu'on crée toute une communauté et chacun est une ressource pour les uns et les autres. Pas seulement ici en mode coach et moi toute seule, on est vraiment toute la team plus tous les élèves, et ça c'est juste génial. Bref, ce que je voulais partager avec vous, donc c'est l'application, c'est Elsa Speak. Alors c'est une application qui permet, comme je disais, d'améliorer l'expression orale, parce que vous allez débloquer votre mâchoire, dire les choses à voix haute et surtout améliorer votre prononciation. Et ce qui est génial dans cette application, c'est que en fait il y a un micro, donc avec le micro vous allez pouvoir parler, et l'application va identifier vos faiblesses. C'est-à-dire qu'elle va voir où ça bloque. Elle va voir non seulement votre prononciation, donc c'est-à-dire la prononciation, elle se divise en plusieurs catégories, c'est-à-dire que vous avez l'intonation de la phrase, comment vous intonez la phrase, je ne sais pas si on dit ça, parce que c'est ça en anglais en fait qui est difficile pour nous, c'est qu'il y a toute une chanson de la phrase, et vous avez également à combien de pourcentage vous paraissez un natif, c'est-à-dire encore une fois la chanson de la phrase, et comment les syllabes sont prononcées, si elles sont bien prononcées ou pas, et elle vous explique, il décortique le mot. Pour vous dire ok, ça se prononce comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez donc dès le début faire un test, donc parler, répéter des phrases, etc. Et l'application va, c'est une application qui est extrêmement intelligente, va identifier où sont vos faiblesses et vous donner un plan d'étude en fait, enfin un plan d'étude, j'aime pas ce mot là, mais un plan d'action plutôt, chaque jour. Et vous pouvez décider en fait combien de temps vous voulez le faire chaque jour. Est-ce que c'est 10 minutes, est-ce que c'est un quart d'heure, une demi-heure? Vous rentrez ça dans l'application. Et en fait, tous les jours, vous avez un rappel pour aller faire vos petits exercices. Et c'est assez varié, donc du coup, on s'ennuie pas. Vous avez également des petites vidéos, vous avez vraiment des sujets qui sont intéressants. Enfin, l'interface est géniale et vraiment très bien conçue. Je vous la conseille vraiment, faites ça tous les jours, vous allez voir, votre prononciation va vraiment s'améliorer. Vous avez également l'aspect communauté sur cette application. Enfin bref, je vous la conseille vivement. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous pensez que cette vidéo puisse être utile à quelqu'un, et bien partagez-la, likez-la, ça permettra de donner plus de visibilité à l'algorithme sur YouTube, et ça nous permettra de toucher encore plus de monde et d'aider encore plus de monde, et que je puisse continuer à vous faire plus de vidéos comme celle-ci, si ça vous plaît, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao !